Bonjour, c'est Phoenix. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les périphériques concernant le jeu Flight Simulator 2020. En effet, ce jeu ne reconnaît pas tous les périphériques par défaut. À la fin de votre installation, le jeu va scanner vos périphériques et ceux qu'il connaît, il va leur affecter des touches déjà. Comme ça, vous aurez déjà un profil pour le jeu. Toutefois, il y a certains périphériques qui, soit parce qu'ils sont trop récents, soit anciens, ne sont pas reconnus, mais peuvent être reconnus dans le jeu si on fait une manipulation. Donc, dans mon cas, moi, j'ai plusieurs périphériques qui ne sont pas reconnus. Ça peut être votre cas aussi pour X ou Y raison. Donc, moi, j'ai un Sidewinder Force Feedback 2 de Microsoft. J'ai un MS Panel de VR Insight. Et plus embêtant, un palonnier MFG. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment configurer le palonnier MFG. Donc, après la procédure, il suffira de l'appliquer sur vos périphériques en particulier. Alors, pour cela, on va aller dans Options. Ensuite, on va aller dans Contrôle. Alors moi j'ai mon jeu en anglais, hein. Donc après si vous l'avez en français, il faudra faire la traduction pour essayer de retrouver, mais le gros sera le même. Donc une fois qu'on est dans contrôle, tout en haut, en fait on a tous les périphériques détectés par Windows, hein. Je dis bien par Windows. Donc hormis le clavier et la souris, tout le reste, c'est ce que vous pourrez voir dans le contrôleur de jeu de Windows. Donc là ici on a un Flight Throttle Quadrant. Le Warthog chez moi, le Crosswind, le MS Panel, le Sidewinder et la throttle du Warthog. Donc ici, si je sélectionne mon throttle quadrant, vous voyez, lui, il a été parfaitement reconnu et il a déjà des touches préaffectées. Le Warthog, c'est pareil pour le stick. Le Crosswind, par contre, rien du tout. Le MS Panel, rien du tout. Le Force Feedback, rien du tout. Et la throttle du Warthog, si c'est reconnu, est préaffecté. Donc c'est assez bien fichu quand même comme menu parce qu'on peut voir que on a donc des numéros qui permettent de voir ce qui a été préaffecté et de ne pas être perdu à se dire, à tâtonner en actionnant les interrupteurs en se disant tiens c'est ça ou c'est pas ça. Bon, rien ne vous empêche de les changer, hein. Donc si vous les changez, il y aura un petit profil qui sera créé. Vous allez voir comment ça va se passer pour le MFG Crosswind. Donc je sélectionne mon Crosswind. Ici, j'ai rien du tout. Donc on va aller sur la partie gauche. Donc sensibilité, on s'en fiche pour l'instant. Search, ok. Select an input. Alors là, ici, en fait, vous voyez, c'est tout ce qu'il a pu détecter par rapport au MFG Crosswind. C'est pas tous les périphériques, hein. Donc ça simplifie les choses parce que ça permet de restreindre le champ des sélections. En dessous, on a un filtre, donc ce qui est assigné. Bon, là, forcément, comme il n'a rien reconnu, il n'a rien assigné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur une des flèches à droite ou à gauche. Donc là, je vais cliquer à droite. Et ici, en fait, il me déroule toutes les commandes que je peux affecter. Là, c'est pas très intéressant. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller le plus rapidement possible à l'information qui m'intéresse. Donc je vais cliquer sur le bouton Expand Collapse All. Et là, comme vous pouvez voir, ça réduit tout. Et je n'ai que les titres des menus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le palonnier. Donc je suppose que ça va être dans Flight Control Surface. Je clique dessus. Ici, on a trois sous-menus. Primaire, secondaire et les trims. Donc le palonnier, forte chance que ce soit dans les primaires. On y va. Et là, je développe, en effet, j'ai les ailerons, le palonnier, donc ce qui nous sert à contrôler l'avion. Alors attention, comme on peut voir par exemple sur ici, on a rudder axis, donc axe de palonnier, mais si on descend, on a palonnier gauche, palonnier droite. Donc, axis, c'est un axe, donc on va y affecter un axe.
gauche et droite, ce sont des touches qui seront affectées. Donc moi, c'est l'axe. Donc je vais sélectionner, je vais cliquer sur la case. Ici, il nous demande d'appuyer sur la touche ou une combinaison de touches. Donc moi, là, je fais bouger mon axe, mais malheureusement, je n'ai rien qui se passe. Ça ne fait rien. Il suffit que je clique sur Select an Input. Et là, je vais sélectionner, je vais le choisir. Donc en règle générale, c'est l'axe Z. Donc je vais le sélectionner. Ici, je valide. Et on me demande d'entrer un nom pour un nouveau profil, puisque par défaut, vous voyez, c'est le profil par défaut où il n'y a rien à signer. Donc moi, voilà, bon, en fait, comme il reprend le nom que j'avais déjà fait pour l'alpha. Donc vous pourrez le. Il suffit de cliquer et puis vous voyez, hein, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais le laisser comme ça, ça me parle bien. Je fais OK. Là on voit qu'il a bien sélectionné et en dessous on a une barre de progression. Donc là si je bouge mon palonnier, en effet ça bouge bien. Donc du coup c'est bien le bon axe que j'ai sélectionné, je suis bien sur le palonnier. Il sera possible, comme vous voyez, d'inverser l'axe si jamais ce n'est pas bon en jeu. Hein. Donc il suffira juste de cocher cette petite case. Donc ensuite, donc du coup, si ici je vais dans assis essentiel, bon, là ça permet aussi, c'est un autre filtre hein, qui permet d'aller directement aux choses. Hop, voilà, assigné, vous voyez, donc je me retrouve bien avec mon palonnier. Et je peux continuer à faire bouger. Donc moi maintenant j'ai les freins à assigner, donc du coup hop, je prends tout, je referme tout ça, et là on a brakes, donc frein, j'y vais. Ici on a bien sûr left brake axis, donc pour un axe, et par contre ici vous avez vu c'est pas pour des axes. Donc moi l'axe gauche, pareil, pas reconnu si je le bouge. Donc là je sélectionne l'input, donc là en règle générale ça va être celui-ci, je valide, et si je fais bouger mon axe c'est pareil. Et par contre vous voyez, on pourra aussi, s'il est inversé, mais sans s'en rendre compte, on s'en rendra compte pardon dans le jeu. Le droit pareil, alors hop. Là, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, du coup, moi, j'aurais pensé que c'était plutôt joystick L pour left. Et là, du coup, j'aurais dit right, hein, plutôt avec un R. Et Y, ça serait plutôt l'axe sur lequel il travaille. Bon, en fait, c'est celui-ci. Donc, je valide. Et là, hop, j'appuie. Et ça fonctionne bien. Voilà. Ça va être appliqué sur ce profil. Par contre, je n'oublie pas ici F11. Appliquer et sauvegarder. Je clique dessus. Là, on a une petite animation qui nous dit que ça a sauvegardé. C'est fait. Du coup, on va voir ce que ça donne en jeu. Tout de suite, la carte. Allez, hop. On va voir ça en local. Mérignac, je zoome, on va se mettre ici sur la 29, voilà, je configure rien du tout, hein. Le but c'est d'y aller directement, varier en fonction bah, forcément de votre PC, hein. Une vue d'ensemble. Alors bon, pour l'instant il n'y a pas encore tout téléchargé, donc ça va être, ça sera plus beau après, mais peu importe, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là je vais faire un ready to fly tout de suite. Ok, là je suis cockpit, on va voir tout de suite en vue extérieure. Hop, caméra, etc.
l'extérieur. Je vais faire ça. Et là, je vais activer mon palonnier. Et là, en effet, je suis bien du bon côté. Droite ou gauche. Alors, par contre, pour les freins, j'ai rien qui m'indique. Ce sera quand je commencerai à rouler que je vais tester ça. Voilà, ceci conclut cette petite vidéo. Je vous souhaite de bons vols et beaucoup de plaisir sur ce simulateur. Enfin, au revoir.